Bonjour, chers élèves. On se retrouve une fois de plus après la première vague de séances que nous avons pu réaliser, notamment sur la dissertation. Cette fois-ci, nous allons travailler sur un autre exercice au programme. C'est celui qui porte sur le commentaire littéraire. Sous-discipline, donc exercice littéraire, notamment le commentaire littéraire, qui est une sous-discipline du français. Et cette fois-ci, nous allons plus nous appesantir sur la classe de terminale A, parce que c'est un exercice spécifique aux élèves de terminale A. Et comme vous le constatez, notre objectif général, c'est le 4, conformément à notre programme, et l'objectif spécifique, c'est le 4-5. Selon notre répartition. Et au regard de ces éléments surmentionnés au tableau, aujourd'hui, toujours dans le cadre de la continuité pédagogique et des acquis sur le commentaire littéraire, je me propose de travailler avec vous ce matin sur la première partie de l'exercice portant sur les questions en se servant du texte proposé, sur le texte proposé au tableau. Et c'est à partir de ce texte que nous allons formuler une série de questionnaires pour faciliter ou améliorer la compréhension dans l'applicabilité de cet exercice. Et en tenant compte de cet exercice, chaque élève, à la fin de ce travail, doit être capable, à partir des questions proposées dans un commentaire littéraire, de répondre correctement à toutes les questions posées à partir du sujet proposé. Donc le sujet ici, c'est le texte. Pour être un peu plus précis, c'est qu'à la fin de cette séance portant sur les réponses aux questions dans un commentaire littéraire, l'élève doit être capable de répondre correctement à toutes les questions posées à partir du sujet proposé. Et à partir de cela, nous allons d'abord nous appesantir sur des questions des classes intermédiaires pour nous rappeler certaines notions. Ici, à partir de cet exercice, quelles sont les différentes parties d'un commentaire littéraire? Quelles sont les parties constitutives d'un commentaire littéraire? Nous savons très bien que le commentaire est constitué de deux parties essentielles. La première partie porte sur les questions pour permettre à l'élève de mieux comprendre, de mieux analyser le texte. Et la deuxième partie porte notamment sur le travail d'écriture, plus précisément le commentaire composé, c'est-à-dire la rédaction globale du commentaire composé en fonction des sortes d'intérêts donnés. Et ici, quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de formuler les questions portant sur cet exercice? Ou bien, sur quoi portent les questions dans un commentaire littéraire? Conformément à toutes les notions que vous avez déjà accumulées, que ce soit au premier trimestre ou au troisième trimestre des années antérieures, les questions dans un commentaire littéraire portent sur plusieurs aspects du texte, notamment la conjugaison, la grammaire, les figures de style, la versification, les champs lexicaux, le vocabulaire, et j'en passe, il y en a tellement. Nous savons très bien que le français est une discipline à multifacettes, donc toutes les questions nécessaires qui favorisent l'expression ou l'élaboration de la langue française peuvent être posées. L'essentiel est que ces questions s'adaptent conformément au texte présenté. À quoi renvoie finalement la partie question dans un commentaire
littéraire. C'est-à-dire, quand on parle des questions dans un commentaire littéraire, quels sont les aspects qui concourent finalement à la rédaction d'un commentaire. Donc, dans le cadre du commentaire littéraire, la partie question permet de jauger, de tester, d'évaluer les acquis de l'élève sur la compréhension et sur tous les éléments qui concourent à la rédaction du commentaire composé. Donc, cette partie est essentielle et nécessaire si l'on veut avoir des élèves capables de rédiger correctement leur deuxième partie, c'est-à-dire le devoir sur le commentaire. Et après avoir fait ce tour d'horizon de cet exercice, nous allons passer à la lecture du texte, sans oublier qu'une bonne lecture favorise aussi une bonne compréhension. Un texte mal lu, la compréhension posera également problème. Nous avons le texte au tableau, nous allons le lire. Le texte est intitulé « Sur la mort de Marie ». Le texte de ce matin porte sur la mort de Marie et nous allons le lire. Texte « Sur la mort de Marie ». Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrose, la grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur. Mais battu ou de pluie, ou d'excessive ardeur. Languissante, elle meurt, feuille à feuille, déclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la Pâque t'a tué, et cendre tu reposes. Pour obsèque, reçois mes larmes et mes pleurs. Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort, ton corps ne soit que rose. Pierre de Ronsard, Lusgan, Livre des Amours, 1578. Ça, c'est la première lecture. Nous allons faire une deuxième lecture pour une meilleure compréhension. Sur la mort de Marie, comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrose, la grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur. Mais battu ou de pluie, ou d'excessive ardeur. Languissante, elle meurt, feuille à feuille déclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la Pâque t'a tué et cendre tu reposes. Pour obsèque, reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort, ton corps ne soit que rose. Pierre de Ronsard, Le Second Livre des Amours, 1578. Dans ce texte, il peut aussi y avoir des expressions qui paraissent être ambiguës. Nous allons, dans la mesure du possible, en choisir quelques-unes et essayer d'apporter une touche d'explication favorable permettant à toute personne de décortiquer les zones d'ombre que présente ce texte. Le premier mot qu'on peut expliquer ici, c'est « excessive ardeur ». Cette expression « excessive ardeur ». L'excessive ardeur renvoie à la chaleur. Et
Le deuxième mot ici, c'est déclose. Feuille à feuille, déclose. Déclose renvoie à l'ouverture. Ce n'est pas forcément tomber, mais plutôt l'ouverture d'une fleur. Quand une fleur est encore à fleur d'âge, quand cette fleur s'ouvre pour exprimer sa beauté, c'est cette image qu'on appelle déclose. Nous avons ici la Pâque. La Pâque, puisque n'oubliez pas que le XVIe siècle tire sa source de la littérature ou de la poésie grecque, en majorité. Donc il y a cette expression qui renvoie à la divinité grecque. Donc ici, la Pâque veut tout simplement dire déesse du destin, qui dans la mythologie grecque dévide et coupe le fil de la vie humaine. C'est cette expression dans l'imagerie grecque. Et l'expression pour obsèque, c'est l'offrande mortuaire. Vif, c'est vivant. Donc ici, vous avez vif et mort. Nous avons vivant et mort. Donc l'expression vif renvoie à un être vivant. Voici les quelques expressions que nous avons jugé être complexe et que nous avons pris le soin d'expliquer pour permettre à tout élève de comprendre facilement le texte. Et en fonction de la lecture que nous venons de faire et des explications données sur les zones d'ombre, nous allons formuler une série de questions que nous allons répondre en fonction du texte présenté. Et la première question qu'on peut se poser ici, quelle est la forme poétique de ce texte? Quelle est la forme poétique de ce texte? On a souvent tendance à employer le mot nature et forme. Que cela ne vous embrouille pas. Quand on dit quelle est la nature et quelle est la forme, ces deux expressions, dans le cadre de l'évaluation du commentaire, sont des expressions synonymes. Donc, quand on dit quelle est la nature ou quelle est la forme, ne soyez nullement perturbé, mais plutôt comprenez qu'on vous demande de donner cette réponse en tenant compte de la typographie du texte. Donc, quand je parle de typographie, la présentation du texte. Et ici, quand on regarde le texte, notre texte est présenté en strophes. S'il faut compter, donc nous avons 4 strophes. Vous avez constaté que c'est réparti, ce que nous appelons communément au niveau de l'étude du texte argumentatif, paragraphe. Mais au niveau du commentaire littéraire, le paragraphe est appelé strophe. Donc la strophe, c'est l'ensemble des vers exprimant une idée ou une vision de manière globale. Mais ne soyez pas aussi embrouillés parce qu'il y a des strophes groupées sans sous-strophes. Ça aussi, c'est une forme de strophe. Mais ici, nous avons des strophes scindées en sous-strophes. Et ici, on nous demande de donner la forme poétique de ce texte. On va d'abord donner la forme poétique de ce texte parce qu'il y a une suite. On nous demande de justifier cette réponse. Quand on regarde ce texte nous donne 4 strophes, donc notamment 2 quatrains et 2 tercets. Et quand on fait la somme de ces vers, nous avons au total 14 vers. Plusieurs textes peuvent avoir 14 vers, mais il y a une particularité dans ce texte, c'est que dans les 14 vers, nous avons 2 quatrains et 2 tercets. Et à chaque fois que vous aurez cette image de 2 quatrains et 2 tercets qui nous donne au total 14 vers, ce texte renvoie finalement à un sonnet, plus précisément sur le sous-point que vous avez étudié, appelé les poèmes à forme fixe. Donc ce sont des poèmes qui ont une dénomination, qui ont un nom s'il faut parler comme tout le monde, et les autres textes n'ont pas de nom, nous les classons dans la catégorie des poèmes classiques, des poèmes en vers libre et des textes en prose. Et ici, nous avons un poème à forme fixe, plus précisément un sonnet. Donc, ici, nous allons directement répondre aux questions. Réponse aux questions.
réponse aux questions. Petit 1. Quelle est la forme poétique, nous disons, ce texte ou ce poème, si vous voulez, vous êtes aussi libre. Tout dépend de la formulation de la question que vous aurez. Donc, on peut dire ce poème ou ce texte, tout dépend de la formulation. Donc, on crée une ouverture en fonction de la question. Est composé de 14. Est composé, on va mettre le chiffre après l'écriture en lettres. Est composé de 14. Est composé de 14 vers. Dans 2 quatrains, dans 2 quatrains et 2 tercets. 2 quatrains et 2 tercets. Dans 2 quatrains et 2 tercets. Point. Il s'agit donc d'un sonnet. Il s'agit donc d'un sonnet. Voilà. Nous venons ici de répondre à la première question. Tout juste un rappel. Quand on dit quatrain, là on a dit quatrain et tercé. Nous avons une strophe de quatre vers. Une strophe de quatre vers, et là on a dit tercé, quatrain, une strophe de quatre vers, et là on a dit tercé, strophe de trois vers. Donc, si on avait cinq, on devait avoir quintile, et ainsi de suite. Deuxième question, par rapport au texte. Étudiez les rimes de la première strophe. Donc, nous sommes à ce niveau. Étudiez les rimes de la première strophe. Étudier les rimes de la première strophe. Étudier les rimes de la première strophe. Étudier les rimes de la première strophe. Ça sera notre question 2. Quand on vous parle de l'étude des rimes, on fait allusion à trois aspects essentiels. Donc nous avons dans cette étude la disposition, nous avons la qualité et nous avons le genre. Donc, quand on parle de la disposition, comment se présentent les rimes? Quand on parle du genre, nous savons qu'il y en a deux. On a le genre féminin et le genre masculin. Donc, ici, on parlera de rimes masculines et rimes féminines. Quand on parle de la qualité, on fait allusion à la richesse des rimes. Et au niveau des richesses, nous avons la rime pauvre, la rime suffisante et la rime riche. On peut même aller à très riche, tout dépend des mots ou des rimes que nous donnent ces mots. Et ici, nous allons passer à la deuxième question. Nous mettons d'abord un sous-point. Étude des rimes. Étude des rimes de la première strophe. Étude des rimes de la première strophe. Bien. La strophe, la première strophe, c'est le premier groupement de vers que nous avions au tableau. Mais quand on dit les rimes, on ne va pas étudier tout le vers. Nous allons prendre les mots qui clôturent, si vous voulez, qui terminent les vers. C'est à partir de ces mots que nous allons focaliser l'étude des rimes. Donc ici, nous avons au niveau du premier vers « rose », au niveau du deuxième vers « fleur », au niveau du troisième vers « couleur », au niveau du quatrième vers « arrose ».
Voici les mots qui caractérisent les rimes ou l'étude des rimes dans cette strophe. Nous allons commencer par quoi? Nous allons commencer par la disposition. Donc, on va commencer par la disposition. Comment sont placées les rimes? Donc, nous allons mettre le premier tiret. Disposition des rimes. Disposition des rimes. Ici, nous allons regarder comment sont disposées les rimes. Quand on parle de la disposition, on regarde la prononciation à la fin de ces mots à partir de chaque vers que nous présente la strophe. Ici, nous allons rassembler les mots qui ont la même prononciation. Ici, nous avons rose, la rose. Ici aussi, nous avons la rose. L'élément commun entre les deux ici, c'est rose, rose. Et là, nous avons fleur, couleur. L'élément commun ici, au niveau de la prononciation, c'est l'heure, l'heure. Et nous allons donner une certaine numérotation où nous allons mettre des lettres pour donner cette image. À supposer ici, nous avons rose, on peut prendre la lettre B, par exemple. Et ici, nous avons fleur, on met la lettre A. Là, là-bas, nous avons couleur, on met la lettre A. Pour des besoins de clarté, je vais un peu décaler ces lettres pour donner l'image réelle. Donc, nous avons ici B. Là, nous avons A. Ici, nous avons A. Là, nous avons B. Nous venons ici de donner une image à chaque rime. Nous allons maintenant rassembler les éléments exprimant la même sonorité à la fin. Nous allons ramener les A entre les A et les B entre les B. Et présenté ici, nous nous rendons compte que les B ont englouti la lettre A. Cette présentation nous donne ce qu'on appelle les rimes embrassées. Donc, à cette question, nous dirons que les rimes sont embrassées. Les rimes sont embrassées. Je ne vais pas aller dans les détails, puisqu'il y a plus de trois types de dispositions. Nous avons les rimes plates, les rimes embrassées et les rimes croisé. Donc, par rapport à ceci, pour déterminer les rimes croisées, vous changez seulement la disposition. Si on pouvait bouleverser les vers, on devait avoir une autre disposition pour avoir les rimes croisées. Pour avoir les rimes croisées, on aura peut-être cette formulation B, A, B, A. On rassemble les A entre les A et les B entre les B. L'essentiel qu'il y ait un point d'intersection au niveau de cette présentation, la rime devient croisée. Et au moment où on aura par exemple B, B, A, A, vous voyez que les B se suivent, les A également se suivent, les rimes sont plates ou suivies. Voilà les trois types de dispositions que nous donnent les rimes. Ce n'était qu'un rappel. Nous sommes conscients que vous saviez déjà. Deuxième aspect de l'étude des rimes, c'est le genre. Le genre des rimes. Le genre des rimes. Nous allons repartir encore de l'autre côté. Genre. Rose. Fleur, couleur, arrose. Dans le cours, il est dit que nous avons deux types de rimes, la rime féminine et la rime masculine. Quelle est la différence entre une rime féminine et une rime masculine? On parle de rime féminine lorsque le vers, ou bien la rime, se termine par un E muet, donc un E qui ne parle pas. Donc on peut avoir le E muet, on peut avoir ES, on peut avoir ENT. Mais comme ces éléments ne se prononcent pas,
la rime est dite féminine. Et l'opposé de ce que je viens de donner de manière globale donne en ce moment-là les rimes masculines. Et ici, quand on regarde, nous avons le E muet de rose. Le E muet de rose ici. On peut même encadrer. Nous avons le E muet d'arose. Le fait que nous avons les E muets à la fin de ces rimes, nous avons affaire ici à une rime féminine. Et ici, nous avons le R à la fin, mais ces rimes sont accentuées. Le fait que ces rimes sont accentuées, donc nous avons ici le R à la fin, c'est vrai que c'est tout le mot, mais nous prenons un peu la finalité. Nous avons fleur, couleur, le fait que nous avons ici des sonorités accentuées, les rimes sont dites masculines. Donc en ce moment-là, par rapport à notre présentation, on ne va pas relever tous les mots, on va partir par éléments, on peut mettre l'astérisque. Donc on aura rose, point virgule à rose. Présente des rimes féminines. En quoi? En E. Voilà. Nous avons ici les rimes féminines à partir du E muet. Et l'autre aspect, c'est couleur. Et fleurs, on ne va pas inverser pour éviter. Donc, on va commencer par fleurs. Donc, nous avons ici fleurs, point virgule, couleur, présente à leur tour des rimes masculines. Ici, on ne précise pas en R parce que nous avons dit le son doit être accentué. Le son doit être accentué. Nous venons ici d'étudier deux sous-points. Nous venons ici d'analyser deux sous-points de l'étude des rimes. Il nous reste un élément, c'est la qualité. La qualité des rimes. La qualité des rimes. Nous revenons encore ici. Cet élément fait partie des éléments complexes parce que ça nécessite une bonne maîtrise de ces différents aspects pour éviter de sombrer quand il s'agit de déterminer les rimes. Nous avons dit au départ que la syllabe, c'est une prononciation, plutôt la prononciation d'un mot à partir d'un seul son. Or ici, quand on parle de la qualité des rimes, on ne peut pas forcément s'appesantir sur le son, mais on va s'appesantir sur le son des lettres que compose chaque mot. Ici, nous avons rose et arose. Nous allons repérer dans ces deux mots les éléments communs, c'est-à-dire les mêmes éléments qu'on retrouve dans chaque mot. À partir de là, on peut même revenir ici. Nous allons prendre le premier élément. Nous avons rose et nous avons arose. On nous demande d'étudier la qualité des rimes. On va rechercher dans ces deux mots les éléments communs. Quand on regarde cette composition, ici nous avons d'abord le A. Or ici nous avons rose, là nous avons arose. Il y a deux éléments en plus à partir du mot arose qu'on ne retrouve pas dans rose. Donc s'il faut supprimer, on pouvait déjà enlever le A. Il nous restera en ce moment-là que rose. Quels sont les éléments communs à partir de ces deux aspects? Nous avons le R ici, le R là, nous avons le O, nous avons le O.
Et ici, le fait que ça se prononce Z et non Rose, nous avons Rose, nous avons un seul son. Donc, en réalité, qui devait nous donner le R, le O, le Z, par rapport à la prononciation du mot. Et le, puisque nous avons trois éléments communs, R, R, O, O, Z, Z, en ce moment-là, on dit que la rime est riche. Et si on n'en avait, par exemple, que deux, on avait ici, par exemple, rose, et ici, on avait rose. Je prends un mot au hasard, rose, et le fait qu'on n'aura que le R, R, O, O, puisqu'ici c'est Z, ici c'est ce, ce n'est plus le même son, le fait que nous avons ces deux éléments communs, on dirait que la rime est suffisante. Si on n'avait que le R, un seul élément commun, on devait dire que la rime est pauvre. Donc, dans ce cas précis, rose et arrose nous donnent une rime riche. Et on peut prendre aussi fleur, couleur. Ici, nous avons fleur, couleur. F ici, il n'y a pas de F. Ici, nous avons cou, ici, il n'y a rien. Qu'est-ce que nous avons en commun? C'est l'heure. Quels sont les éléments? Nous avons le L, ok, le, puisque le E est englouti, qui donne un seul son à E. Et ici, nous avons le R. Nous avons aussi trois sons communs. Donc, nous avons le L, nous avons le EU, et nous avons le R, qui nous donne également une rime riche. Une rime riche. On vient de terminer avec l'étude des rimes de la première strophe. J'ai dit que ce n'est qu'un aspect. Il y a d'autres éléments que vous pouvez vous-même aussi exploiter en fonction des notions déjà étudiées en classe. Autre question qu'on peut se poser, quelle est la tonalité dominante de ce texte? Justifiez votre réponse. Déjà, quelle est la tonalité? Dans le mot tonalité, nous avons un radical. Le radical, c'est ton. Nous avons bien. Je disais, nous avons ici le mot tonalité. Dans tonalité, nous avons un radical ici, c'est le temps. Pas le temps de l'heure, mais le temps que donne un texte en fonction de l'expressivité de l'auteur par rapport à son texte. Mais il y a une autre différence que nous allons établir à partir de cette question. Bon, un éclaircissement, bien sûr. Il y a une différence quand on vous dit « donner la tonalité ». Du texte et donner la tonalité dominante. Quand on vous dit donner la tonalité du texte, l'élève est libre de faire ressortir toutes les tonalités en fonction de sa sensibilité ou en fonction de l'imagerie du texte. Mais quand on dit la tonalité dominante, on voit quelle est la tonalité qui domine sur les autres tonalités dans le texte. Donc évitez de créer l'amalgame ou la confusion sur cette question. Quand on dit tonalité dominante, c'est une tonalité qui domine sur les autres. Quand on dit la tonalité, vous êtes libre. Il y a une certaine liberté au niveau de la réponse. Et comment allons-nous faire pour trouver cette tonalité? Il faut encore relire le texte, mais on ne va pas le relire pour une troisième fois, puisque nous l'avons déjà lu. Et tel que nous regardons ce texte, nous nous rendons compte qu'il y a déjà un mot qui attire notre attention dès le titre du texte. C'est le mot « mort », sur la mort de Marie. Voilà. Il y a déjà « mort ».
L'image de mort nous donne en réalité deux aspects. Si on regarde notre cours sur les tonalités, nous avons deux aspects de tonalité qui se cachent derrière le mot mort. Là, sans avoir lu le texte, nous savons déjà qu'il y a une tonalité pathétique ou une tonalité tragique. Maintenant, ce sont les éléments du texte qui vont nous aider à circonscrire cette tonalité. Nous avons ici mort. Quand on regarde le texte, on regarde notre première strophe, on constate ici, on n'évoque pas un aspect lié à la mort. On passe à la deuxième strophe. Quand on regarde cette deuxième strophe, cette strophe attire notre attention, notamment à partir du vers, déjà à partir du vers 1. Il y a un mot qui attire notre attention, un verbe qui attire notre attention. C'est qu'on nous dit ici, la grâce dans sa feuille et l'amour se repose. Nous savons que l'amour ne se repose pas. Pour que l'amour puisse se reposer, il faudrait que la personne puisse disparaître, puisse mourir. Nous avons ici déjà un aspect qui renvoie à la mort. À partir de là, est-ce que nous pouvons dire qu'il s'agit d'une tonalité pathétique ? On ne peut pas encore confirmer. Il faut continuer à analyser, exploiter le texte. Embaumons les jardins et les arbres d'odeur. Qu'est-ce qui embaume ? Est-ce que c'est la mort ? On dira oui et non. Mais on dira plutôt à 60% non. Parce que quelque part, si on nous parle de beauté, belle, tout ça. Est-ce que c'est la mort? Est-ce que la mort peut embaumer le jardin? Ou bien c'est une femme qui brille, qui est jeune, qui a fleur d'âge, qui apporte un autre parfum au jardin? Ça, on le saura quand on va exploiter le texte. Donc au niveau de la deuxième partie. On arrive au niveau de notre vers 3, de la deuxième strophe. On nous dit « mais battu ». Il y a un verbe qui attire notre attention, c'est le verbe « battre ». Battre, c'est ce que nous appelons communément « taper ». Mais battu ou de pluie. Donc la personne a été battue, mais il y a « ou de pluie ». C'est que quand la personne a été battue, la pluie renvoie à l'eau. L'eau, la pluie renvoie à l'eau. Si on va chez Sony, tout ce qui est eau renvoie à l'univers liquide, le liquide. Or, si la personne a été battue, c'est que la personne a été agressée, blessée, et il y a eu quelque chose qui a coulé. Et ce qui a coulé est comparable à la pluie. Et ce qui coule quand on agresse quelqu'un, c'est le sang. Donc, le fait que cette femme a été battue, c'est que cette femme saignait. Et on continue, on dit, ou d'excessive ardeur. C'est ce qu'on a déjà dit ici, excessive ardeur renvoie à la chaleur. Donc, ça veut dire que cette femme a été battue sévèrement. Or, la canicule, nous savons, pousse l'homme à transpirer quand il fait extrêmement chaud. Mais si cette personne a été battue avec une certaine férocité, une agressivité qui ne dit pas son nom, c'est que les coups reçus étaient tellement ardus que cette femme a finalement saigné abondamment. Donc nous avons déjà ici le verbe « battre ». On peut aussi souligner « pluie » pour montrer l'intensité de cette battue. Mais dans ce vers, l'élément clé, c'est « battu ». On vient ici au vers 4 de notre deuxième strophe, on dit « languissante ». Même nous-mêmes à la maison, quand on nous agresse, quand l'enfant a beaucoup pleuré, même sa façon de pleurer, le rythme de pleurer, de ses pleurs varie. Mais à plus forte raison, quelqu'un qu'on a agressé sévèrement. Et puisqu'elle était dans un état de languissement, finalement, qu'est-ce qui va s'en suivre? Elle va mourir. Donc on va souligner ici, languissante, elle meurt. Donc après avoir été battue, on l'a laissée à la portée, abandonner plutôt et n'ayant pas de soutien, cette battue va se transformer finalement en décès. Et ici, à partir de ce vers, on peut déjà comprendre qu'il y a eu sang. Ce sang est exprimé par le mot pluie pour démontrer l'abondance du sang qui a coulé. Avant qu'on ne continue, on peut déjà regarder cet aspect. Or, dans le coup, on vous a dit
que la tonalité pathétique suscite la souffrance chez le spectateur. Mais pour qu'il y ait tonalité tragique, il faut qu'il y ait effusion de sang. Le fait qu'il y a déjà effusion de sang à ce niveau, on peut déjà comprendre que l'aspect de la mort ici, avec l'expression battue qui renvoie à pluie, la tonalité n'est plus pathétique, mais la tonalité devient tragique. Et on peut poursuivre avec d'autres éléments. Nous avons aussi la Pâque tatouée. Voilà. Donc, agressée, finalement, elle a été tuée. Nous avons cet élément. On a aussi cendre, tu reposes. Et ici, nous avons pour obsèque, on peut me prendre tout le verbe, mais on va souligner quelques expressions. Pour obsèque, larmes, pleurs. Et nous avons ici à la fin, mort. Voilà. Et ce vers, c'est ce qu'on appelle chute. Donc le vers qui clôture ou qui termine le poème est appelé chute. Et nous rendons compte, d'après la vision de Ronsard, il commence par mort, il clôture son poème par mort, c'est pour démontrer l'aspect tragique de cet acte. Donc ici, on dira, la tonalité dominante de ce texte est tragique. Voilà. On vient ici de donner la tonalité, mais il y a une suite. On nous demande de justifier. Si on avait seulement dit donner la tonalité, on s'arrêtait là. Mais quand on dit justifier votre réponse, il faut rechercher dans le texte les aspects qui démontrent qu'il s'agit d'une tonalité tragique. Et tel que nous l'avons exprimé, on peut déjà reprendre ces expressions pour avancer. Point, au lieu de mettre le point, on continue. Car nous trouvons, puisque c'est une phrase, nous allons retirer les deux points. Car nous trouvons des expressions. Nous trouvons des expressions comme. Ce ne sont pas nos expressions, il faut toujours les mettre entre guillemets. Nous avons des expressions comme battu. Battu. Nous avons d'autres, l'expression languissante, elle meurt. Languissante, elle meurt. Nous avons la Pâque tatouée. La Pâque tatouée. Et cendre, tu reposes. Et cendre, tu reposes. Nous avons aussi pour obsèque. Pour obsèque. Virgule, on va seulement prendre quelques expressions. Larmes, pleurs. Larmes, pleurs. Nous avons aussi mort. Voilà. Maintenant, je reviens. Si on avait dit donner la tonalité de ce texte, on pouvait avoir une autre tonalité, en dehors de tragique. C'est la tonalité lyrique. C'est vrai que pour tous, nous avons souvent focalisé la tonalité lyrique sur le je, le moi et autres. Mais il y a parfois des tonalités exprimées de manière implicite également dans le texte.
Et quand on regarde ce texte, nous avons quelques éléments de la première personne, mais, qui démontrent qu'il y a aussi le lyrisme. Mais en dehors de cela, il y a aussi l'expression des sentiments de l'auteur, exprimé par Belle Jeunesse, Fleurs et autres, pour démontrer la beauté de la femme. Nous venons ici de répondre à la troisième question. Nous allons prendre la quatrième question. Donner le champ lexical de la mort et celui de la beauté. Donner le champ lexical de la mort et celui de la beauté. Donc, attention, ici c'était une justification en fonction de la tonalité. C'est différent du champ lexical. Le champ lexical, ça donnera pratiquement la même image, mais les questions ne se ressemblent pas. Et le champ lexical, c'est repérer par chaque champ lexical les éléments ou les expressions qui expliquent l'aspect global de ce champ. Donc ici, nous allons répondre à la question 4. Le champ lexical. Le champ lexical. 4. On nous demande de dresser le champ lexical. De dresser le champ lexical. Dressant le champ lexical. On nous a donné deux champs lexicaux. Le champ lexical, deux points. Premier tiret, la mort. Premier tiret, la mort. Quels sont les aspects de la mort? Nous avons déjà un avantage. C'est que lorsque nous avons répondu à la tonalité tragique, nous avons déjà plusieurs éléments qui exprime cela. Donc, au lieu de traîner, on va tout juste les reproduire. Mais on ne va pas tout prendre. On va prendre ce qui est essentiel. On peut vous demander deux ou trois mots. On ne va pas faire tout le texte. Donc, nous prenons tel que le mot « larme ». Nous avons « meurt ». Meurt. Nous avons obsèques. Nous avons obsèques. Nous avons pleurs. Nous avons la Pâque tatouée. La Pâque tatouée. Nous avons cendre, tu reposes. Cendre, tu reposes. Et nous avons mort à la fin du vers. Nous venons ici de repérer quelques éléments du champ lexical de la mort. Le deuxième champ, c'est la beauté. Et la question qu'on peut se poser, la beauté de quel individu? Quand on regarde le poème, on nous parle de la beauté de Marie. Donc nous allons recenser les éléments qui expriment la beauté. Donc déjà le mot « beauté », il y a un qualificatif ici au tableau dans la première strophe. Quand on regarde bien, c'est « belle ». Déjà le mot « beauté » ici renvoie à « belle ». En dehors de « belle », nous avons encore quoi? On nous dit « rendre le ciel jaloux de sa vive couleur ». Donc elle avait une bonne couleur de peau, peut-être. Mais nous avons encore quoi? Au vers strophe 3, voilà, on dit jeune nouveauté. Jeune nouveauté. On continue, toujours au vers, plutôt vers 1 de la troisième strophe, vers 2 de la troisième strophe, nous avons ta beauté. Et voilà, belle, nous avons aussi première fleur. On peut même dire rose, parce que la beauté est comparable à une rose.
Nous venons ici d'énumérer les éléments du champ lexical de la beauté. Nous avons ici, on peut prendre rose, on peut prendre belle, on peut prendre première fleur. On peut aussi énumérer vive couleur. Nous avons également jeune nouveauté. Jeune nouveauté. Nous avons ta beauté. Voilà, pour ne citer que ces quelques cas. Nous venons ici d'étudier, de faire l'étude du champ lexical en fonction des deux thèmes qu'on nous a attribués. Nous allons prendre la cinquième question, celle qui consiste, on nous demande de relever dans le texte une personnification, une antithèse et une métaphore. Relevant dans le texte, on a fini avec le 4, relevant dans le texte. Relevant dans le texte une personnification, une personnification. Pour trouver une personnification dans le texte, il faut d'abord connaître quelle est la définition sur la personnification. Qu'est-ce qu'on entend par personnification? La personnification, déjà dans personnification, nous avons personne. Personne renvoie à un être humain. Et qu'est-ce qu'on entend par personnification? C'est prendre le comportement d'un être humain, l'attribuer à quelque chose d'inanimé ou à un animal, c'est-à-dire la pierre, le chien, l'arbre, qui se comporte comme un être humain. C'est ce qu'on appelle la personnification. Et quand on regarde notre texte, notre poème, on peut se demander quel est le vers ici qui exprime la personnification. Il y en a plusieurs, mais on va choisir un vers. On va d'abord lire notre première strophe pour revenir à la personnification. On dit « Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur. Rendre le ciel jaloux. Or, le ciel ne peut pas être jaloux. La jalousie, c'est une caractéristique des humains. Donc, ici, nous avons déjà le ciel que l'on voit. Mais est-ce que le ciel peut jalouser un être humain? Non, c'est toujours un autre humain qui peut jalouser un autre humain. À partir de là, cette partie déjà, ou bien ce vers, exprime clairement ce qu'on appelle la personnification. Ou encore, on peut regarder, voilà notre troisième strophe, vers 2. De notre troisième strophe. On dit « Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté. » Est-ce que la terre peut honorer la beauté de quelqu'un ou le ciel? Non, ce n'est qu'un être humain qui apprécie convenablement, avec honneur, la beauté d'une autre personne. Nous avons à peu près ces deux vers qui évoquent la personnification. Donc nous avons là, pour des besoins de précision, on mettra vers 3. Et de l'autre côté, on mettra vers 10. Vers 10, nous avons rendre le ciel jaloux. On peut même s'arrêter là parce que c'est la partie
la plus importante du vers, rendre le ciel jaloux. De l'autre côté, nous avons quand la terre et le ciel honoraient. Honorer, on peut aussi s'arrêter là. Voici les deux aspects qui justifient la personnification. Et on nous demande également de faire ressortir une antithèse. Voilà. Vous connaissez très bien la valeur de ce mot, parce que toutes vos dissertations en majorité sont des sujets à thèse, antithèse. Déjà, en thèse, antithèse, c'est l'opposition de deux expressions dans un même vers. Opposition de deux expressions dans un même vers. Et bientôt, certains, c'est sûr, vont me poser la question au niveau du vers 14. Vif et mort, il y a une différence. Ici, quand on dit opposition, antithèse, c'est l'emploi de deux expressions opposées, mais non rapprochées. Si on dit deux expressions opposées, rapprochées dans un même vers, ce n'est plus l'antithèse, ça devient l'oxymore, comme le pleurer, rire. Pleurer et rire sont deux expressions opposées qui renvoient à la figure de style appelée oxymore. Ici, nous avons une séparation entre vif et mort. Vif renvoie au vivant. La mort, c'est quelqu'un qui ne vit plus, qui ne respire plus. Il y a opposition de deux mondes. Donc, il y a antithèse. Donc, ici, l'antithèse, c'est le vers 14. Vif et mort. Et nous allons terminer par la métaphore. Qu'est-ce qu'on entend par métaphore? La métaphore, c'est une comparaison de deux substantifs ou de deux éléments sans faire recours au terme comparatif. Ce qui n'est pas le cas, tout le vers complet à ce niveau, on devrait me dire qu'il s'agit d'une comparaison. C'est vrai qu'il y a une comparaison, mais c'est une comparaison implicite, puisque le texte commence par « comme ». C'est Marie ici, au niveau du titre, qu'on compare à quoi? À une rose qui brille au mois de mai. Donc, voilà pourquoi nous n'avons pas choisi la comparaison, parce que ici c'est implicite, ça demande une certaine maturité dans l'analyse de cet aspect. Mais ici, la métaphore, nous avons dit, comparaison de deux aspects sans la présence d'un outil comparatif. On va regarder dans le texte quel est l'élément qui exprime la métaphore. Nous avons ici au vers 2, on dit « en sa belle jeunesse, en sa première fleur ». Donc on compare la beauté de cette jeune femme, une beauté qui brille, une beauté qui illumine les vies, cette beauté est comparable à l'éclosion d'une fleur qui brille également. Vous voyez qu'ici, nous avons une comparaison, mais il n'y a pas d'outil comparatif. Donc, on peut prendre le vers 2. Nous avons en sa belle jeunesse. Donc, on peut prendre sa belle jeunesse. Et également en sa première fleur. Voilà. On peut aussi repérer un autre vers, même si on ne l'écrit pas, mais on peut regarder dans le poème. Nous avons ici le vers 9, troisième strophe. On nous dit « Ainsi, en ta première et jeune nouveauté ».
Voilà. Là aussi, il y a une métaphore cachée. Quand on dit en ta première, qu'est-ce qui est première? C'est l'éclosion de la beauté qui exprime l'aspect d'une beauté qui vient à peine d'apparaître, si vous voulez, si on peut utiliser notre langage commun de la société congolaise, on dit c'est une fille qui est en train de briller en fonction de son âge. Donc, à fleur d'âge, elle donne déjà les prémices d'une grande femme qui va exploser au fur et à mesure. Maintenant, après avoir répondu à cette question, nous allons prendre la sixième question. La sixième question nous demande de dégager ou de donner l'idée générale du texte. L'idée générale du texte. Bien. Nous savons que nous travaillons encore sur les questions, mais sinon, au niveau de l'idée générale, vous avez deux possibilités. La toute première possibilité, c'est ce que vous donne, l'idée que vous donne le texte. La deuxième possibilité, quand vous aurez un sujet complet, vous regardez les deux centres d'intérêt qu'on vous donne. Donc la première possibilité, c'est l'image du texte. Deuxième possibilité, vous pouvez regarder les deux centres d'intérêt, parce que les deux centres d'intérêt communiquent directement ou donne l'image même du texte. Vous avez ces deux possibilités. Mais en ce qui nous concerne pour aujourd'hui, nous allons plus nous appesantir sur le texte parce qu'on n'a pas les centres d'intérêt. On va regarder. C'est simple. Nous avons lu le texte. On nous parle déjà d'un côté de la beauté d'une femme. Strophe 1. Strophe 2, on nous parle déjà de la menace que subit cette femme jusqu'à être battue. Et le fait d'être battue, elle va finalement mourir. Et ici, strophe 3, nous avons le mélange de la beauté et de la mort. Beauté avec les deux premiers vers en ta première jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté. Troisième vers, la Pâque t'a tué. Donc nous avons déjà les deux aspects. Quatrième vers, quand on regarde, quatrième strophe, quand on regarde, en réalité, il y a la prédominance de la mort. Il n'y a qu'un élément qui évoque la beauté ici à la fin, c'est le mot rose. Voici la présentation du poème. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que cette jeune femme qui était belle va mourir brutalement, c'est-à-dire la société, la nature n'avait pas encore fini d'exploiter sa beauté, de contempler cette beauté, cette divine beauté qu'elle exprimait, que très tôt, elle a été arrachée. Sa vie a été arrachée. À partir de ces deux coupures, on peut déjà avoir ou formuler notre idée générale. En ce moment-là, notre sixième question dira, dans ce texte, ou poème, tout dépend de votre style, dans ce texte ou poème, virgule, le poète évoque la beauté d'une jeune fille. Donc cette jeune fille, c'est qui? C'est Marie, par rapport au titre. Disparue très tôt. Certains pouvaient même dire arrachée très tôt à la vie par la nature. C'est aussi un aspect. Nous venons de terminer avec l'idée générale. On va prendre notre dernière question. Quel est le temps dominant de ce texte? Déterminer sa valeur. On revient encore avec le mot dominant. Quel est le temps dominant? C'est-à-dire quel est le temps le plus employé dans le poème? Si on avait dit déterminer les temps de ce poème, en ce moment-là, vous devez faire ressortir tous les temps que vous trouviez.
présent, imparfait, ainsi de suite. Mais ici, on a dit le temps dominant. Quand on regarde notre texte, quel est le temps qui domine? Nous avons ici « voix », présent de l'indicatif. Vers 2, on n'a rien. Vers 3, on n'a rien. Vers 4, arrose, présent de l'indicatif. Vers 5, se repose, présent. Vers 6, on n'a rien. Vers 7, ici c'est un participe passé. On passe. Vers 8, nous avons meurt, présent. Ici, vers 9, on n'a rien. Vers 10, nous avons honoré l'imparfait. Ici, nous avons le passé composé. Là, nous avons le présent. Pour obsèque reçoit présent. Ce vase plein de lait, ceci vif et mort, que ton corps soit, ne soit que rose. Nous avons aussi le présent. Donc, quand on regarde les verbes, le temps le plus employé par rapport aux verbes, il s'agit bel et bien du présent, de l'indicatif. Donc, on répondra ici, le temps dominant dans ce texte, le temps dominant dans ce texte est le présent de l'indicatif. Nous venons ici de déterminer le temps. Mais il y a une suite. On dit déterminer sa valeur. Quelle est la valeur du temps présent? C'est là où je vous disais que le français, c'est toute la connaissance emmagasinée du CP1 jusque là où vous êtes. Nous repartons encore au collège, même à l'école primaire, parce que ça commence depuis l'école primaire. Quel est le temps dominant? On vient de déterminer le temps. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur du présent de l'indicatif? Nous savons que quand on regarde notre cours, on nous a toujours dit que le présent actualise les faits ou met en valeur des actions réelles. Mais il y a une autre question que je peux aussi poser. Est-ce que l'acte actualisé est accompli ou non accompli? Parce que quand tu dis « je mange », as-tu fini de manger ou continues à manger? Il y a cette image. Quand on regarde, quand on dit à quelqu'un « je mange, je suis en train de manger », l'action est non accomplie, c'est-à-dire est en cours d'exécution, on n'est pas encore arrivé à la fin. Voilà pourquoi on dit « actualise les faits ». Mais les faits qui sont comment? Concrets. Parce qu'on peut venir vérifier si tu es en train de manger. Et les autres éléments, vous avez l'imparfait tel qu'ici, l'imparfait, le passé composé, ce sont les temps du passé. Donc, évoque les actions passées et accomplies. Même s'il y a des particularités avec l'imparfait. À partir de là, pour donner sa valeur, on dira « il actualise ». Il actualise. Il actualise les faits. On peut s'arrêter là. Mais on peut aussi vous dire clairement, ça dépend de la question, on peut exagérer, on vous dit déterminer la valeur du temps en fonction du poème. En ce moment-là, qu'allez-vous faire? Il faut prendre ce que nous avons énuméré comme temps, regardez quel est l'impact de ce temps sur le texte à étudier. Et quand on regarde, c'est quoi? Ce temps révèle donc le caractère de la beauté de cette jeune femme, de sa jeunesse,
de ses menaces, mais également comment est-ce qu'elle a été tuée. Voilà à peu près comment on justifie un temps en fonction du texte. On vient de terminer notre première partie portant sur les questions concernant l'exercice du commentaire littéraire. Vous allez prendre vos textes, d'autres textes à la maison, vous en avez. Vous reproduisez les mêmes questions et vous continuez à faire le même travail à la maison pour une bonne compréhension, une bonne maîtrise de cet exercice. Et je vous prends congé pour aujourd'hui. On se retrouvera la séance d'après pour, dans le cadre toujours de la continuité pédagogique, mais cette fois-ci, nous allons plus nous appesantir sur comment, quels sont les éléments constitutifs d'une introduction et comment rédige-t-on une introduction du commentaire composé. Et je vous dis merci de nous avoir suivis attentivement. À la prochaine.